éternel, son amour est éternel. Jésus, Jésus. Hosanna à ton nom. Que le ciel nous soit ouvert. Nous voulons que notre Père nous ouvre le ciel. Est-ce que là où tu es, tu peux dire, Père, ouvre-moi le ciel. Ouvre le ciel et que ta gloire resplendisse sur ma vie. Que ta gloire resplendisse sur ce pays, sur cette nation. Alléluia. C'est une prière, c'est une déclaration pour aujourd'hui. Parce que c'est un jour nouveau et bien-aimé. Que sais-tu ce qu'un jour peut enfanter. N'oublions pas qu'à chaque jour, à chaque besoin, à chaque utilité et à chaque urgence. Amen. On ne sait pas ce que Dieu a prévu en ce jour. On ne sait pas ce que l'ennemi a prévu en ce jour. Amen. Alors que le Seigneur nous ouvre le ciel et qu'il fasse tomber sa pluie. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Nous voulons que le Seigneur nous fasse entrer. Nous voulons que le Seigneur fasse descendre sa gloire. Amen. Telle que sa gloire est manifestée dans le ciel, qu'elle soit manifestée aussi sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur à travers ces cantiques. Bien-aimé, si tu ne connais pas les paroles de ce chant, c'est moins grave. Laisse-toi tout simplement emporter. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'a aucune nationalité. Que Dieu soit loué. Alléluia. Attends, balai, l'eau, petit.
ténèbres s'enfuient face à la lumière du roi de roi. Alléluia. Les ténèbres s'enfuient face à la lumière du roi de roi. La lumière qui resplendit sur ta vie, qui resplendit dans nos vies. Amen. Chabulani, Chabulani, Africa, Europa, Amérique, Asie, le monde entier sous la gloire de Dieu. Notre Dieu est vainqueur, notre roi est couronné. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Notre roi est couronné, couronné pour l'éternité. Son règne est éternel. Alléluia, alléluia. Il règne pour l'éternité, assis sur le trône, il règne à jamais. Nul ne peut le détrôner, nul ne peut le déplacer, nul ne peut l'enlever de là. Là où il est, il demeure, il demeure, il demeure. Gloire, 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 gloire. Gloire soit rendue à Dieu. C'est toi qui nous fais vivre. Tu es le seul refrain de nos vies. Celui-là qui nous fait vivre. Celui que nous répétons jour après jour. Jésus, Jésus, Jésus. Le seul refrain qui nous fait vivre. Alors reçois Seigneur ce matin cette prière inspirée. Reçois ce matin ces prières inspirées. D'une seule voix, d'un seul cœur. Nous voulons te chanter. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'honorer par nos acclamations. Nous voulons t'honorer. Oh oui, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Reçois, Seigneur, ce matin le fruit de nos lèvres. Au-delà de cela, reçois le fruit de nos cœurs. Ces cœurs reconnaissants. Ces cœurs passionnés qui dépendent que de toi. Est-ce que tu peux commencer à t'exprimer? Est-ce que ton cœur peut commencer à s'exprimer? Est-ce que ton cœur peut commencer à lui dire des choses que toi seul peux dire? Laisse ton cœur lui dire des choses que toi seul peux dire. Non pas ce que ton frère ou ta sœur peut dire, mais seuls les mots qu'il faut, qui proviennent du fond de ton cœur. Des mots de reconnaissance, des mots, des paroles de gratitude, des paroles d'action de grâce. Pour ce qu'il t'a apporté, pour ce qu'il t'a donné, oh, reçois ma prière, ma vénération. Jésus mon roi, Jésus ma vénération. Alléluia, et blossa.
Saya, Eko Chate, Mama, Mama, c'est à toi que nous avons donné nos cœurs, offert nos vies, à personne d'autre. Alléluia. Reçois ma prière, ma vénération. Jésus mon roi, Jésus mon adoration. Alléluia, alléluia. Avec moi, à qui as-tu donné ta vie? Reçois la prière d'adoration. Reçois, Seigneur, notre adoration qui monte. Parce que nous reconnaissons qu'il n'y a que toi. Toi qui es notre seul Dieu, le véritable, l'unique et le parfait. Parce qu'il n'y a personne qui soit parfait comme toi. Toi seul est parfait. Toi seul est parfait. En parole, tu es parfait. En acte, tu es parfait. En décision, tu es parfait. En élan du cœur, tu es parfait. Oh mon Dieu. Tu t'es donné pour moi, tu as tout donné pour moi.
Dieu, il est allé te préparer une place sûre pour toi. Il a dit, pour que tu sois à ses côtés, à ses côtés. Quel privilège, quel privilège. Là où la sainteté règne, là où la beauté, la splendeur règne, là où la blancheur, l'or, God, white, forever. Déclare l'amour que tu as pour ton papa. Déclare l'amour que tu as pour ton bien-aimé. Celui-là qui t'a aimé le premier. Thank you.
t'adorons. Père, nous te célébrons. Père, nous te magnifions. Père, nous t'exaltons. Toi, le rocher de notre salut, à toi seul soit la gloire. Alléluia. Shalom, shalom, une fois de plus, chers bien-aimés de Dieu. Il y a un temps pour tout, amen, c'est le temps de manger, de passer à table. Et comme on aime bien le dire, on aime manger, manger la bonne parole, la bonne soupe, les bons plats, les mets délicats et même les plats de tous les jours. Amen, ça reste toujours succulent, succulent. Pourquoi? Parce que c'est la main de la mère qui cuisine. Amen. Et la main de la mère aujourd'hui, c'est l'esprit qui nous cuisine, qui nous libère la bonne parole et nous en la manger. Amen. Je ne suis qu'un simple instrument. Amen. Messagère. Alors je me parle aussi à moi-même, pas seulement à vous. Que Dieu soit loué. Comme vous l'avez constaté, vous connaissez déjà le thème. Amen. L'homme fort garde sa maison. Amen. Alors, on va ouvrir nos Bibles et nous allons passer à la lecture. Nous allons lire dans Luc 11. On prendra le verset 21. Le verset 21 jusqu'au verset 26. Amen. Il est écrit, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un homme fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher un repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend sept autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors nous allons aussi prendre Marc 3, 27. Amen. C'est vraiment une continuité. Amen. Marc 3, le verset 27. Alors, il est écrit, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. » Amen. La parole de Dieu est puissance et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est vérité et vie. La parole de l'homme n'est pas la vérité. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, si tu crois, tu diras Amen avec moi, tout simplement. Amen. Seigneur, nous te recommandons ces temps de parole. Cette parole qui t'appartient. Alors, Saint-Esprit de Dieu, inspire encore. Tu as dit, ouvre ta bouche et je parlerai. Je t'instruirai. Je t'enseignerai. Alors, Saint-Esprit, je te fais toujours confiance parce que je sais que par ma propre force, je n'y arriverai pas. Et c'est toi qui nous rends capable. Alléluia. Alors, touche les cœurs, touche les vies. La seule gloire du nom du Père. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, à travers ces passages, on nous parle de l'homme fort. Pas n'importe quel homme. Amen. L'homme fort. L'homme qui est bien armé. L'homme qui a reçu la responsabilité de garder. Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, l'homme fort, c'est l'homme qui est debout. L'homme fort, c'est l'homme qui se nourrit jour après jour de paroles. L'homme fort, c'est celui-là qui a pris le temps de s'équiper, de se former, de se préparer. L'homme fort, celui-là qui a les yeux ouverts, celui-là qui est éveillé. Amen. Donc quand tu es équipé, quand tu es armé, bah, tu es debout et tu veilles. L'homme fort, c'est celui-là qui sait se positionner. Parce qu'il est positionné quelque part dans sa maison. L'homme fort garde sa maison. Nous voyons que dès le départ, dans le jardin d'Éden, pas dans Éden, mais dans le jardin. Parce que le jardin est dans Éden. Amen. Dans la présence du Seigneur, là où coulent les délices, nous voyons que Dieu avait positionné l'homme. Il avait positionné Adam dans le jardin. Il ne l'a pas positionné n'importe où, mais il l'a positionné dans le jardin d'Éden. Afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il garde.
le jardin. Mais bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le jardin, c'est toi. Amen. Le jardin, c'est toi. Là où Dieu descend. Là où Dieu vient prendre plaisir, bien-aimé dans le Seigneur. Là où Dieu vient se reposer, trouver son repos. Lorsqu'il regarde à travers le monde, la terre, il voit les péchés du monde, toutes ces souillures, là, bien-aimé. Et quand il tourne son regard vers toi, il retrouve la paix. Alors, il vient se reposer. Il vient prendre plaisir parce que tu es le jardin de Dieu. Tu es le cœur de Dieu. Alors, bien-aimé, l'homme fort garde sa maison. L'homme fort garde son cœur. Plus que tout. Proverbe 4. L'homme fort garde son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui deviennent quoi? Les sources de la vie. L'homme fort, celui-là qui garde son cœur. Mais il le garde où? Positionné comment? L'homme fort est dans la maison. L'homme fort dans la maison trouve l'angle parfait. Pas au salon. L'angle parfait, c'est dans la chambre. En haut, dans la chambre. Dans les hauteurs, dans la chambre. L'homme fort trouve l'angle parfait dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, tu as la vue sur tout ce qui se passe dans la maison et à l'extérieur. Amen. Parce que celui qui n'est pas avec toi est contre toi. Et celui qui est contre toi est à l'extérieur. Il rôde tel un loup. Les loups sont toujours à l'extérieur et ils cherchent la faille, la fissure, la brèche pour rentrer. Alors l'homme fort sait se positionner. Il est debout et il contrôle tous les axes. Toutes les accès, les portes d'entrée. Les portes d'entrée. Alléluia. L'homme fort garde sa maison. L'homme fort garde son cœur. L'homme fort garde ses pensées, son système de pensée. Garde sa conscience. L'homme fort garde ce qu'il est. Pourquoi? Parce que ce qu'il possède sera en sûreté. On ne parle pas de sécurité, mais de sûreté. Donc d'assurance. Nos lendemains sont assurés, bien-aimés de Dieu, par Dieu lui-même. Parce que la responsabilité qu'il nous donne, nous savons tenir ferme. On nous parle d'homme fort. Toi, tu es l'homme fort. Église, tu es l'homme fort. Femme, tu es l'homme fort. La femme forte. Amen. Mais il y a aussi une autre catégorie d'hommes forts. Il y a aussi des hommes forts. Amen. Et qui peuvent aussi paraître plus forts que toi. Si et seulement si tu perds le contrôle. Si et seulement si tu lâches prise. Si et seulement si tu détournes ton regard. Si et seulement si tu te laisses entrer par la distraction. Entraîner, pardon, par la distraction. Bien-aimé de Dieu, nous voyons l'exemple de Samuel, le prophète Samuel. La Bible déclare dans Samuel que Samuel était dans le temple. Samuel aimait demeurer dans le temple. Samuel dormait à côté du chandelier. Là, il y avait la lampe allumé. Samuel aimait cette atmosphère. Samuel baignait dedans. Et ma Bible déclare que Dieu lui parla, Dieu l'appela à 4 reprises. Le début du contact, de la rencontre, dans la présence. Donc ce qui veut nous dire que lorsque nous sortons, nous quittons la présence de Dieu, on ne capte plus la voix du Seigneur. Lorsque nous quittons la présence de Dieu, l'homme fort devient faible. Et quand il est faible, il ne peut plus contrôler sa maison. Alors le voleur, lorsqu'il rentre, il doit d'abord lier l'homme fort de la maison avant de terrasser tout ce qui est dans la maison. Bien-aimé de Dieu, tu es un homme et une femme de destinée. Tu as une destinée glorieuse. Tu es fort, tu es forte. Ta destinée est glorieuse. Alors veille-y, veille sur ce que Dieu t'a donné. Il a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Bien-aimé, est-ce que tu prends connaissance, conscience de ce qui est entre tes mains? L'homme fort prend conscience de ce qu'il a. L'homme fort, selon Dieu, ne s'appuie pas sur ses capacités, ne s'appuie pas sur ses dons, ni sur ses armes. Il s'appuie sur le Dieu des capacités. Sur le Dieu qui donne les dons. Le Dieu qui équipe, qui qualifie et qui façonne. Parce qu'il peut perdre ses dons, il peut perdre ses armes, mais il se laissera renouveler, régénérer, ensemencer par la source de toute source. Parce que c'est lui qui fait germer en nous les choses bien-aimées de Dieu. Même quand ta terre devient aride, alléluia, il t'arrose et il t'ensemence à nouveau. L'homme fort. L'homme fort, c'est trouver le bon nom. Le bon nom.
Bien aimé, la nature nous enseigne tellement. Amen. Il y a des fois quand je discute avec la Père, femme de Dieu, maman Clarisse, que Dieu te bénisse. Amen. Quand je discute avec elle au téléphone, souvent elle me dit, maman, il est à toi un instant. Il n'y a pas trop de réseaux. J'essaie un peu de chercher le réseau, que je me déplace un peu. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous faut maintenir le réseau. Bien-aimé, tu veux capter la voix de Dieu. Bien-aimé de Dieu, tu veux capter les choses à venir. Bien-aimé de Dieu, tu veux être toujours averti. Averti, bien-aimé de Dieu. Il faut toujours rechercher là où il y a la bonne connexion. Là où il y a la bonne connexion, c'est là où tu dois être. L'homme fort se positionne là où il y a la bonne connexion. Amen. Bien-aimé, ne t'occupe pas de mes bugs. Amen. Je peux bugger verbalement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le plus important. Amen. Bien-aimé de Dieu, cela veut dire que cette année a été décrétée comme étant l'année du repositionnement. Ne l'oublions pas. Et là, nous tendons vers la fin de l'année. Amen. Bien-aimé, ne termine pas cette année sans t'être repositionné. L'homme fort se positionne. L'homme fort se repositionne. Parce que Dieu le rend capable à nouveau. Amen. Parce qu'il s'appuie sur Dieu. Parce qu'il est dans son angle parfait pour repérer, pour voir, pour contrecarrer, pour anticiper, pour veiller et pour garder. Parce que pour garder, il faut bien voir. Pour garder, il faut être bien équipé. Pour garder, il faut une bonne stature. Téléma, oui. Amen. Être debout fermement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, toujours par rapport à la nature, elle nous enseigne jour après jour. Nous voyons dans la société aujourd'hui, dans les sociétés, je ne suis pas vraiment là à indexer qui que ce soit. Amen. Soyons sages. Nous voyons les hommes, dans certains contrées, amen, des hommes posés, respectables et tout, honorables. Parfois, ils abandonnent leur foyer pour aller croupir dans des bicoques chez leur deuxième bureau, permettez-moi le terme, chez leur pipelette, leur mini-mini, amen, comprenez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent plus l'intérêt dans sa maison. Sa maison peut être une villa, il peut tout avoir. Sa femme la plus belle du monde, avec tout ce qu'il faut, les moyens qu'il faut bien aimer de Dieu. Mais il préfère délaisser cela pour aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il ne capte plus rien là-bas. Il n'y a plus la connexion, il n'y a plus la passion, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus les centres d'intérêt, il n'y a plus l'intérêt qu'il faut. Il va chercher ailleurs, à la quête d'autre chose, bien aimé de Dieu. La connexion, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant la connexion, de grâce. Maintenant la connexion. Une maison peut être belle, elle peut être bien entretenue par la maîtresse de la maison. Mais bien aimée, cette maison-là sera honorée, flattée que si l'homme de la maison vient repérer les lieux et il donne un compliment à sa chère bien-aimée. Ma femme, tu gères bien la maison. Tu es vraiment la femme de la maison. Tu sais bâtir. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimée de Dieu, peu importe la beauté de la maison, ta maison va devenir une maison hantée. Une maison inhabitée, bien-aimée de Dieu. À quoi bon embellir une maison si elle n'est pas habitée? Bien-aimée de Dieu, nous sommes le cœur de Dieu. Et c'est Dieu qui vient siéger en nous. Amen. Quand nous prenons bien soin de notre maison, quand nous prenons bien soin de nos pensées, de nos œuvres, de nos actes, ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné une vie. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a prêté vie. Est-ce que tu prends bien soin de la vie que Dieu t'a donnée? Amen. Tu es marié, Dieu t'a donné un mari. Est-ce que tu prends bien soin de ton mari? Tu prends bien soin de ton épouse, de ta femme, de tes enfants, de ta famille, de tes frères, de tes soeurs, de tout ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu prends bien soin de la vision que Dieu t'a donnée, du ministère que Dieu t'a donné? Oh Dieu de gloire, bien-aimé, nous nous parlons à nous tous. Je ne m'adresse pas qu'à vous, mais je m'adresse aussi à moi-même. Est-ce que nous prenons bien soin de ce que Dieu nous a donné? C'est ainsi que lorsque Dieu vient, il siège, il est heureux parce que des bons parfums se libèrent. Nous sommes des parfums de Christ. L'homme fort est un parfum de Christ. Alors posons-nous la question, comment cela peut-il se faire? Cela arrive comment? Que l'homme fort puisse se chuter, que l'homme fort puisse perdre les clés de sa maison parce qu'il n'a pas su garder celle-ci. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre lecture. Nous allons lire, amen,
Nous allons lire dans Genèse 16, du verset 1 au verset 1er. Genèse 16, du verset 1. Vous connaissez l'histoire, hein? Amen. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, bien aimé dans le Seigneur. Sarah, la femme forte, Sarah, la femme puissante, la femme choisie entre 10 000, entre 1 milliard de femmes, parce qu'elle était la femme du choisi de Dieu, la femme d'Abraham, le patriarche bien-aimé. Et c'est dans son sein qu'allait élire domicile l'enfant de la destinée, le fils, l'unique. Amen. Mais nous voyons que la femme forte avait chuté. Dans le déclin, la femme forte avait perdu les armes. Elle avait perdu sa force. Elle s'était affaiblie, bien aimée dans le Seigneur. Nous nous affaiblissons. Sarah, c'est toi. Sarah, c'est moi. Sarah, c'est nous, l'église de Dieu. L'église, elle est forte, elle est glorieuse et pourtant, mais elle s'est affaiblie. Aujourd'hui, nous voyons l'église tâtonner, trébucher. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu de sa force. Elle a laissé l'homme fort, entre guillemets, rentrer et tout saccager. Le voleur ne vient que pour voler, dérober et tout détruire. Comme le pasteur aime bien le dire, le diable, il peut échouer dans d'autres fonctions. Mais dans le domaine de la destruction, il ne blague pas. Il est tellement malicieux, il est tellement fort. Il jongle avec les quilles qu'il faut pour te déstabiliser parce qu'il connaît ta faiblesse. Dieu connaît ta faiblesse, mais l'ennemi aussi connaît ta faiblesse. Alors si tu ne travailles pas sur ta faiblesse, si nous ne travaillons pas, nous, église, sur nos faiblesses, bien-aimé de Dieu, arrivera le déclin. Sarah, elle avait la promesse. Sarah, autant pour moi. Elle avait la promesse sur elle. Elle avait l'ainsi dit de Dieu sur elle. Elle avait les déclarations de Dieu dans l'invisible étaient suspendues sur sa vie. Elle avait la grâce de Dieu, la distinction de Dieu l'accompagnait. Maintenant, il fallait que cela puisse se visibiliser. Mais qu'est-ce qui se passa? L'homme fort face à l'attente. Que fait-il? Que dit-il? Que pense-t-il? Comment agit-il? Quelle résolution prend-il? Oh bien-aimé, la Bible déclare que à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Donc il y a résolution et résolution. Quand nous prenons des bonnes résolutions, le succès arrive. Mais quand nous prenons les mauvaises résolutions, c'est l'échec qui arrive. Sarah, femme forte, mais elle ne savait pas. Elle ne savait plus parce qu'elle avait perdu sa vue. Bien-aimé de Dieu, la foi rime avec la confiance. La foi ne marche pas sans amour. La foi marche avec l'amour, elle marche avec la confiance. Et la foi nous ouvre les yeux comme on aime bien le répéter, bien-aimé de Dieu. Et Sarah, elle avait perdu sa vue, elle ne voyait plus parce qu'elle n'avait plus la confiance. Sa foi n'était plus tout active, une foi ferme, mais c'était une foi qui vacillait, une foi chancelante, qui se laissait emporter par les saisons et par les temps, par les mouvements. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi qu'après 10 ans à Cana, 10 ans passés, bien-aimés de Dieu, que Sarah prit la décision de donner ce qu'il ne fallait pas donner. Bien-aimés, nous sommes dans le don, n'est-ce pas? Nous sommes des donneurs. Mais que dois-tu donner? On donne à Dieu. Sarah, au lieu de donner à Dieu, au lieu de continuer à donner à Dieu, de sa confiance, de son amour, de son attachement, peu importe le temps, même si je ne vois rien, même si je ne perçois rien, je m'accroche à toi, je m'attache à toi, je sais que tu vas donner. Et je garde mon précieux. C'est à toi que je l'offre. Je garde mon intimité.
Je ne partage pas mon intimité avec les gens de l'extérieur, avec l'homme de l'extérieur. Parce que ce qui est à l'extérieur n'est pas avec moi. Ce qui est à l'extérieur est contre moi. Sarai donna sa servante, l'étrangère, l'égyptienne, à son mari. Oh, bien-aimé de Dieu, on ne partage pas Abraham avec n'importe qui. On ne partage pas sa couche avec n'importe qui. On ne partage pas sa couche avec personne d'autre. On ne partage sa couche, pardon, avec personne d'autre. On ne partage Abraham avec personne d'autre. On ne partage l'intimité, son intimité, avec personne d'autre. L'homme fort devient faible lorsqu'il fait rentrer des intrus dans son intimité. N'oublions pas l'histoire de Samson. Amen. Samson a fait rentrer Delila dans le secret. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu de sa force. Bien-aimée de Dieu, Sarah, elle a ouvert la brèche. Elle a fait entrer l'étrangère. Bien-aimée l'égyptienne. L'Égypte, c'est l'image du monde. L'Égypte, c'est l'image de l'adversité. L'Égypte, c'est l'image de ce qui est contraire à nous. De ce qui n'est pas avec nous. Ce qui n'est pas avec toi est ce qui est contre toi. Tu vas me dire, maman Inès, mais Agar, elle était inoffensive. Agar, elle n'avait rien demandé. Agar, elle était pourtant la servante de Sarah, bien-aimée dans le Seigneur. Agar, elle était égyptienne. Et nous connaissons l'image de l'Égypte. L'Égypte représente le monde. Amen. Et en Égypte, dans l'ancien temps, bien-aimée de Dieu, les jeunes filles étaient préparées dès leur plus tendre enfance à leur tâche à venir. Amen. Agar, elle était préparée à servir dans tous les domaines, bien-aimée de Dieu. Dans tous les domaines, bien-aimée dans le Seigneur. Et n'oublions pas que l'emblème de l'Égypte, c'est l'image du serpent. Le serpent représente la séduction. Le serpent représente la malice. Le serpent représente la ruse. Donc Agar, elle avait cette nature-là en elle. La nature séductrice. La nature malicieuse, bien-aimée de Dieu. Pour détruire. Pour croquer, pour dévorer le talent. Bien-aimée dans le Seigneur, qui fais-tu entrer dans ton intimité? Dans ton attente, bien-aimée de Dieu, que fais-tu entrer dans ton intimité, dans ton alliance avec Dieu? Dieu a dit, tu aimeras ton Dieu, d'abord lui seul, point d'autre Dieu devant ta face et devant même sa face, personne, parce que le Seigneur désire le cœur à cœur, le seul à seul, le face à face entre toi et lui. Même quand tu ne vois rien, même quand tu es dans ton attente, tu attends ton Isaac bien-aimé de Dieu, même quand la fatigue commence à prendre le dessus, même quand la beauté commence à partir, la jeunesse commence à partir, bien-aimé de Dieu, l'horloge biologique est en train de tourner, quand tu vois les autres avoir des promotions, commencer à travailler, toi tu attends, tu ne reçois rien. Quand tu vois les autres enfanter, toi tu attends, tu ne reçois rien. Quand tu vois les autres se marier, toi tu attends, tu ne reçois rien. Quand tu vois les autres en bonne santé, toi tu es malade, tu ne reçois rien, bien-aimé de Dieu. Dieu désire que peu importe cette attente, que tu continues toujours à fixer ton regard vers lui. Je fixe mon regard vers toi, Dieu de l'univers, le Dieu sans fin. Je fixe mon regard vers toi, le Dieu éternel. Fixer son regard vers lui, peu importe ce qui se passe. Mais Sarah, elle a baissé les yeux. Sarah, au lieu de continuer à contempler le ciel, à lever la tête, elle a baissé sa tête. Oh, bien-aimé de Dieu, quand tu baisses ta tête, tu commences à contempler le sol. Et quand on contemple le sol, notre champ de vision est limité. Alléluia, c'est pourquoi elle n'a pas trop calculé, mais elle est rentrée dans le raisonnement. Bien-aimé de Dieu, l'homme fort, lorsqu'il perd sa force, il devient faible, il rentre dans le raisonnement. C'est ainsi que nous ne parlons plus par inspiration, mais nous parlons maintenant par les raisonnements. Oui, je suis en France, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, à part moi, il y a des topos. La logique demande que je puisse faire ci et faire ça comme tout le monde pour recevoir. Bien-aimé de Dieu, tu es Sarah. Tu es Sarah. Tu n'es pas Sarah, mais tu es Sarah. Alors Sarah ne raisonne pas comme Sarah. Sarah ne calcule pas comme Sarah. Sarah n'est pas désespérée dans son attente. Sarah n'est pas malheureuse dans son attente. Sarah ne gémit pas dans sa couche. Sarah ne crée pas la cassure entre Abraham et elle. Bien-aimée dans le Seigneur,
Sarah, et pourtant, elle était toujours aux côtés d'Abraham, mais elle était dans sa tente à elle. Elle n'était plus dans la même tente avec Abraham. Dans le jour du désespoir, même ta force se transforme en détresse, en désespoir. Et tu deviens léger, l'homme fort. Celui qui était fort hier est devenu faible aujourd'hui. Bien-aimé, nous ne nous moquons de personne. Tu es fort aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Alors continue à veiller. Continue à capter les bonnes ondes, les ondes de fréquence, la fréquence céleste. Celui-là qui est connecté au Saint-Esprit saura stopper l'ennemi qui arrive. Sarah, affaiblie, elle s'est laissée envahir, assaillir, parce qu'elle a elle-même ouvert la porte et s'est attardée sur sa réalité. Ses âmes à elle, c'était sa beauté et sa jeunesse. Amen. Elle s'est appuyée sur sa beauté et sur sa jeunesse. Ses âmes à elle, bien armées, bien équipées, c'était sa beauté et sa jeunesse. Alors quand elle vit que sa beauté commençait à s'en pâtir, à s'en laidir, à flétrir, sa jeunesse à s'en aller, elle commençait à se poser des questions. Bien-aimé, attention aux angoisses. Lorsque les angoisses montent, bien-aimé de Dieu, tu vas prendre des résolutions qui n'honorent pas le Seigneur. On va agir, poser des actes par rapport à nous-mêmes. Et c'est là que nous sortons des cordes. Alléluia. Et ainsi, elle prie l'étrangère. Bien-aimé de Dieu, Agar. Oh, bien-aimé, fais attention à Agar. Faisons attention à Agar. Agar, elle était encore jeune. Agar, elle était encore belle. Agar était encore bien souple, bien embellie, bien hydratée, bien parfumée. Elle savait ce qu'elle devait faire. Alléluia. C'est ainsi que Sarah s'est dit, bon, si Agar prend ma place, j'aurai un fils par elle. Et Abraham n'a pas dit non, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham n'a pas du tout dit non. Amen. Abraham est allé vers Agar, bien-aimé dans le Seigneur, de par notre manque de maturité, de par notre manque de discernement, de sensibilité, de disponibilité, d'intimité. Nous prenons ce que nous avons de plus cher et nous donnons à Agar. Qu'as-tu donné à Agar aujourd'hui? Qu'as-tu offert à Agar aujourd'hui? Tu as ouvert ta porte et tu as laissé l'étrangère entrer. Et elle est entrée dans ton intimité. Elle est entrée dans ton sein. Elle est entrée dans ton sein. Bien-aimé, fais la lecture. Elle est entrée dans ton sein. Et quand il entre dans ton sein, quand l'homme étranger rentre dans ton sein, c'est pour dévorer, c'est pour tout saccager. Et lui, il devient l'homme fort. C'est ainsi que Agar commençait à mépriser sa maîtresse parce que les dés avaient été renversés. Qui était maintenant la maîtresse? Qui était maintenant la servante? Par nos propres choix, bien-aimé de Dieu, nous chutons encore dans la détresse, croyant trouver les solutions. Bien-aimés, on ne peut pas trouver les solutions de par nous-mêmes. C'est Dieu qui est la solution. Sarah croyait trouver la solution en voyant l'arrivée d'Ismaël. Mais quand elle voyait encore Ismaël, son cœur se rongeait encore. Elle commençait encore à tourmenter encore son mari. Que Dieu soit le juste juge entre toi et moi. Mais est-ce que c'est Abraham qui t'avait envoyé? Bien-aimé de Dieu, nous trouvons toujours les boucs émissaires dans nos vies. On aime toujours accuser les autres, toujours déposer la responsabilité, le tort sur les autres. Bien-aimé de Dieu, il y a un adage en Afrique qui dit que, qui sait, peut-être que le sorcier c'est toi-même. Tango mususu ndoki yomoko. Qui sait, peut-être que c'est toi-même. Alors soyons clairvoyants. Alors ayons le discernement, bien-aimé de Dieu. Dieu nous a responsabilité depuis Éden. L'homme est responsable de ses choix. Dieu savait que Adam allait chuter, mais il l'a laissé choisir. Il a laissé se positionner. Alors, bien-aimé de Dieu, dans ta maison, comment te positionnes-tu? Es-tu assis ou es-tu debout? L'homme fort ne dort pas. Il est éveillé. Il a les yeux ouverts, écarquillés comme il faut, pour contrôler, pour gérer. Parce que l'ennemi est toujours à côté. Alléluia! Nous allons encore ouvrir nos Bibles. On va lire dans 1 Roi, amen, 1 Roi 3, le verset 16 au verset 29. Alors, 1 Roi, du verset 16 au verset 19, pourquoi pas. Amen. Nous connaissons la lecture. Amen. Il est écrit que, alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit,
Pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Moi et cette femme. Amen. Et je suis accouchée près d'elle dans la maison. Près d'elle dans la maison. La proximité. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. L'accord. Quand deux personnes se mettent ensemble, c'est qu'ils sont accordés. Amen. Mais elle dit cette femme, dont elles étaient ensemble sans pourtant être ensemble, bien-aimées dans le Seigneur. Elles n'étaient pas du tout accordées. Amen. Or, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Celui de l'extérieur, s'il n'est pas avec toi, il est contre toi et il est du dehors. C'est un étranger, bien-aimé dans le Seigneur. Ces deux femmes-là étaient étrangères l'une de l'autre. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait et elle l'a couchée, non pas à mes côtés, mais dans mon sein. Amen. Dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils. Amen. Je l'ai regardé attentivement et voici, ce n'était pas mon fils. Elle a vu le matin, mais la nuit, qu'est-ce qui se passait? La nuit, au lieu de veiller, cette femme dormait. Cette femme était prostituée. Là, il s'agit de la première. La deuxième, on la met un peu entre guillemets. La première, elle était prostituée. Il n'est pas dit épouse, mais il est dit prostituée. Bien-aimée de Dieu, la prostituée, c'est la femme infidèle. Alors, église. Es-tu infidèle? L'infidélité de l'église, lorsque tu te détournes de ton époux, lorsqu'on regarde les dieux étrangers, lorsqu'on vénère les idoles, on se détourne de notre époux. Alléluia! Elles sont allées voir Salomon, mais Salomon lui-même, amen, et ça encore c'est une autre brèche que nous ouvrirons par la grâce de Dieu plus tard. Alléluia! Salomon lui-même, Salomon lui-même avec le temps, s'était détourné de Dieu. Amen. Il s'était détourné. Et on sait ce qui s'était passé. Amen. Mais nous voyons là que cette femme, elle était prostituée. Amen. Mais elle dit, ta servante. Donc l'église aujourd'hui, on est là aujourd'hui nombreux, on remplit nos assemblées, mais nous sommes des prostituées. Mais entre-temps des servantes. On entend des serviteurs. Amen. Nous sommes des gigolos. Permettez-moi le terme. Amen. Entre-temps, des serviteurs. Amen. Bien-aimés de Dieu. Serviteurs, mais qui dort la nuit. Au lieu de garder dans son sein ce qui lui est cher, précieux, mais il le gardait, elle le gardait à ses côtés. Donc, bien aimé de Dieu à ses côtés, ce n'est pas suffisant. Moi, je me rappelle encore, en tant que mère et tout, avec mes enfants, j'ai 4 enfants, amen, par la grâce du Seigneur. Tous mes enfants dormaient toujours dans mon sein, en fait. Et pourtant, je pouvais bien les déposer dans leur lit, mais j'aimais toujours les garder à mes côtés, toujours. Je me suis dit, avec le premier, bon, ce n'est que normal, hein, la nouveauté. Mais deuxième pareil, troisième pareil, surtout le quatrième, oh là 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 là, les enfants de la maison le savent. Amen. Mais j'ai montré l'exemple, si bien que eux aussi, ils aimaient plus du tout dormir dans leur lit, mais toujours collés, serrés à maman, surtout les garçons. Amen. Bref. Alors, en tant que mère, on aime bien cette proximité-là, être collé à son enfant. Amen. Mais nous voyons que cette femme, elle avait son enfant à ses côtés. Mais le contact n'était pas étroit. Le contact n'était pas du tout étroit. Il n'y avait pas du tout l'intimité. Il n'y avait pas du tout la chaleur qui devait être communiquée entre cette femme et son enfant. Entre cette femme et sa maison. Entre cette femme et son cœur.
entre cette femme et sa vie, entre cette femme et ses pensées, entre cette femme et son mari et sa femme, ses enfants, son travail, ses biens, ses grâces, son ministère, tout ce que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. C'était juste à côté. Mais Dieu désire que cela soit proche. Alors l'ennemi, il vient la nuit. Il vient, il vole. Donc lorsqu'on a pris son enfant, elle n'a rien senti. Or, quand l'enfant est dans ton sein, dans tes bras, l'ennemi doit ouvrir tes bras pour récupérer ton enfant. Est-ce que je me fais comprendre? J'en plein langage spirituel. Amen. Alors, l'autre femme, l'autre prostituée, j'insiste, elle a volé l'enfant. L'autre continue à ronfler, à dormir, à baver. Permettez-moi le terme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est que le matin. Là, j'interpelle la grâce de Dieu. Je t'interpelle sur la grâce de Dieu. Le matin, elle s'est réveillée. Certainement, elle a pleuré. Parce que quand tu te réveilles, tu ressens la chaleur. Mais elle, en se réveillant, ce n'est pas la chaleur qu'elle a ressentie, c'est la froideur. Bien-aimée de Dieu, lorsque la mort passe, elle laisse des traces. Lorsque la mort passe, elle laisse des traces. Bien-aimée, qu'est-ce qui t'a été volé? Bien-aimée, qu'as-tu perdu? Bien-aimée, qu'est-ce qui t'a été arraché? Qu'est-ce qui t'a été enlevé? Tu es devenue sèche, une terre aride, bien-aimée de Dieu. Tu as perdu la vie en toi. Qu'est-ce qui t'a été volé? Nous sommes dans des maisons aujourd'hui avec des délestages. En Afrique, on dit délestage. Le courant est parti, terre à terre. Donc cela veut dire qu'il n'y a plus d'électricité. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a été volé? Ta joie t'a été volée. Ton bonheur t'a été volé. Ta santé t'a été volée. Tes finances t'ont été volées. Ton intimité avec Dieu t'a été volée, bien aimé, parce que tu t'as même ouvert la porte. Tu n'as pas voulu garder le cœur à cœur serré contre toi. Mais bien aimé de Dieu, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Allons auprès du roi. Allons au Père auprès du roi. La solution est chez le roi. Le roi est notre Dieu. Il a la solution. Tu as la vie à tes côtés. Tu as perdu des choses. Le voleur est venu tout saccager. Mais sache que le roi est capable de tout te restituer. Ta servante, quand elle dormait, cette femme a pris mon enfant. Bien-aimé de Dieu, regarde attentivement ce matin. Qu'est-ce qui t'a été volé? Regarde attentivement ce matin, bien-aimé, à travers ta posture. Comment tu te tiens aujourd'hui? Es-tu courbé ou es-tu debout, redressé, bien-aimé de Dieu? Le repositionnement, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui et non demain. Le repositionnement, c'est aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Église de Dieu, c'est aujourd'hui. Et tu regardes attentivement, tu constates que c'est pas ton enfant. Tu constates que c'est pas ton enfant. Tu regardes attentivement, bien-aimé de Dieu. Pour regarder, il faut avoir les yeux ouverts. Pour regarder, il faut avoir la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Chose que Sarah avait perdue. Mais chose que cette femme avait quand même maintenue. Amen. Elle avait quand même maintenu la foi. Alors lorsqu'elle a regardé, elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. Mais bien-aimée, est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas ton enfant? Est-ce que tu te rends compte que la vie que tu mènes n'est pas ta vie? Est-ce que tu te rends compte que ce que tu as là, ce n'est pas pour toi? Est-ce que tu te rends compte que cela t'a été substitué, volé, dérobé? Oh, allons auprès du roi. Allons auprès du roi, parce que ta destinée, c'est rire. Le projet que Dieu a pour toi, le plan que le Seigneur a pour toi, c'est le rire, le rire, le rire. Parce que ta maison est en train de croître. Ta maison s'épanouit, ta maison prospère. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu gardes. Et quand tu gardes tellement bien, alors tu bâtis pierre après pierre dans l'allégresse bien-aimée dans le Seigneur. Sarah devait rire. Sarah était appelée à rire et non à pleurer et non à gémir, bien-aimée de Dieu. Sarah, si elle avait su garder l'intimité avec son mari, bien-aimée de Dieu, dans le Seigneur, elle aurait reçu les grâces de son mari. Alléluia. Son mari l'aurait partagé sa foi, bien-aimée de Dieu. Si elle avait maintenu son intimité avec son mari, la flamme avec son mari, bien-aimée de Dieu, s'il n'avait pas eu de cassure, amen. Sarah aurait dit, peu importe l'attente, on continuera à attendre ensemble. Ensemble. Amen. Elle lui faisait à manger.
Elle faisait ces choses à elle, bien aimée dans le Seigneur, les obligations en tant que femme et tout, épouse, maîtresse de maison, mais bien aimée de Dieu, il n'y avait plus du tout l'accord entre les deux. Vous connaissez déjà cet enseignement. Amen. Appelée à rire et non à pleurer. Alors attention à Agar. Attention à Agar. Attention à la voleuse. Amen. Regarde attentivement ce matin. Parce que le roi a trouvé la solution. Le roi trouve toujours la solution. Amen. Le roi trouve toujours la solution. Bien-aimés de Dieu, nous voyons, pour terminer, nous allons voir avec David. On revient encore sur David. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme fort, celui-là qui court. L'homme fort court. L'homme fort ne titube pas, ne traîne pas les pieds. L'homme fort court. L'homme fort sait relever sa tête, regarder dans les sommets. L'homme fort a une attitude agile. Il est agile, il est souple. Il sait monter dans les hauteurs tel une biche. L'homme fort tressaute. L'homme fort est agile et mobile. Amen. L'homme fort. Ma Bible déclare dans Samuel, amen, que Goliath s'avançait nuit et jour pendant 40 jours. Il s'approchait au fur et à mesure. Et quand il s'approchait, il ne se taisait pas. Il parlait, la persistance des épreuves, non des tentations. La persistance de la présence de l'ennemi, les flèches qu'il envoie jour et nuit, jour après jour. Alors l'enfant, face aux pressions extérieures, face à Goliath, court. Parce que Goliath est un homme fort, bien aimé dans le Seigneur. Face au combat, il faut être agile. Peu importe la grandeur, la dimension gigantesque de ton adversaire, bien aimé, il te voit comme étant un enfant. C'est pas grave. Dieu te voit comme étant l'homme selon son cœur. Donc l'homme fort qui sait gérer, qui sait préserver, qui sait garder, qui sait entretenir. Celui chez qui il peut venir trouver tranquillité et paix. Les délices du Seigneur. David était agile. Et dans son agilité, il sut frapper à la bonne place. L'homme fort court. Comme Abraham, l'homme fort court. L'homme fort sait courir dans les combats. L'homme fort sait courir dans les épreuves. L'homme fort sait courir dans les visitations. Et pourtant, il était devant sa porte, Abraham. Mais lorsqu'il vit les trois anges venir vers lui, la Bible déclare qu'il courut vers eux. Dans la précipitation, dans l'empressement, dans l'excitation, l'envie de faire les choses pour la gloire du Seigneur avec amour, avec envie, avec désir, avec hardiesse, avec crainte et tremblement. Il sait saisir ses grâces, il sait reconnaître les grâces de Dieu. L'homme fort ne saisit pas toutes les grâces, ne saisit pas toutes les opportunités. Parce qu'il y a certaines grâces, opportunités qui viennent, entre guillemets, bien-aimés de Dieu, ce sont des pièges. De l'ennemi et même de Dieu aussi. Amen. Donc parfois, il faut laisser passer son tour. Alléluia. Il faut laisser passer son tour, Église de Dieu. Laissons passer nos tours. Ne saisissons pas tout. Ne courons pas sur tout. Ne touchons pas sur tout. Amen. Et pourtant, parfois, il y a des grâces qui se présentent, bien-aimés de Dieu. Mais grâce et grâce, entre guillemets. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. L'homme fort garde sa maison. De qui? De quoi? De l'intrus. Amen. De l'intrus, de l'ennemi. Hier, nous avons ouvert des portes. On les a refermées, n'est-ce pas? Il y a une question qui m'avait été posée un jour. Maman Inès, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Il fut un temps, j'aurais dit, non, non. Mais aujourd'hui, je vais dire oui. Je vais peut-être choquer, mais je dirais oui. Amen. Chrétien. Il n'est pas dit injuste, peut-il être possédé.
mais un chrétien. Chrétien, chrétien, tout le monde est chrétien. Tout le monde s'appelle chrétien. Mais est-ce charnel, spirituel, dépouillé, consacré? Est-il juste? Mon juste vivra par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque nous passons par des temps de délivrance, de renoncement, de changement, de transformation, amen, nous voyons que comme on l'a lu au départ, ces esprits-là sortent. Ils vont dans les lieux arides, ne trouvant pas du repos, ils veulent revenir dans leur demeure. Là où vous avez été chassés. Mais quand ils reviennent, ils trouvent que la maison elle est propre, nickel, bien ornée. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne reviendront plus. Amen. Ils partent. Ils vont encore chercher. Ils vont chercher encore tout un bataillon pour venir t'assaillir sept fois plus puissant. Mais quand ils reviennent, ils voient que tu as encore chuté, tu as encore ouvert la brèche, tu t'es encore laissé entraîner par ton péché mignon, par tes habitudes mignonnes, ce que tu aimes faire, ce qui flatte ton âme, tes désirs, tes passions, qui te titillent jour après jour, tu cèdes à nouveau. Ben, il entre, et quand il entre, il s'installe, bien-aimé de Dieu, et ta situation, ta condition devient beaucoup plus pire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, parfois le problème, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre propre nœud, et on devient aride et desséché. Bien-aimé dans le Seigneur, allons vers le roi ce matin. Allons vers le roi ce matin. Bien-aimé, quand les esprits impurs rentrent, c'est la mort qui s'installe. C'est la mort qui s'installe et on devient faible. C'est alors que le héros tombe, il devient zéro. Amen. Or, nous voulons que les héros deviennent des héros, que l'inverse puisse se produire aujourd'hui au nom puissant de Jésus, parce que nous voyons attentivement. Regarde ta situation aujourd'hui. Regarde ta vie. Regarde tes habitudes, regarde ton cœur, regarde ton foyer, regarde tes enfants, regarde ton travail, regarde tes projets, regarde ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Regarde attentivement et allons vers le roi ce matin. Allons vers le roi ce matin. Alors tu vas élever ta voix, tu vas commencer à parler au roi. Lui qui a la souveraineté absolue sur ta vie. Il est capable de te restituer ce que tu as perdu. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Force, tu es l'encre de nos âmes, Seigneur.
Même lorsque nous perdons notre force, nous sommes régénérés en toi, par toi et pour toi. Ton autre source, Seigneur Dieu de gloire. Comme des terres arides, Seigneur notre Père, alléluia, tu nous régénères, tu nous ensémences, ô Père éternel, afin que nous puissions reverdir, ô Dieu de gloire. Ceux-là qui sont faibles aujourd'hui étaient forts hier. Ceux-là qui étaient forts hier sont faibles aujourd'hui. Mais je sais une seule chose, que tu es notre force, tu es notre source. C'est toi qui fais germer en nous, Seigneur, les racines qu'il faut, des racines solides, ô Père éternel, qui crée en nous, Seigneur, une bonne connexion, une bonne posture, une bonne attitude d'attente, mon Dieu, mon roi, et de contrôle, de veille, Seigneur, parce que l'homme fort veille, l'homme fort est armé et il est armé des bonnes armes, Seigneur Père, et l'homme fort ne s'appuie pas sur ses capacités, ne s'appuie pas sur ses armes, Seigneur, qui sont trompeurs, mais s'appuie sur toi, toi qui es la source, mon Dieu, mon roi, de toute acquisition, de toute capacité et de toute performance, Seigneur. Ô Dieu, donne-nous la force de continuer à veiller. Donne-nous la force de continuer à préserver notre précieux. Ce que nous avons aux yeux, Seigneur, on veut le garder. Combien même, Seigneur, l'ennemi viendra la nuit pour chercher à dérober, à voler, Seigneur, ce que nous avons, Seigneur Père, que nous gardions cela en nous, chèrement, précieusement, jalousement, Seigneur, dans l'intimité, dans ton intimité, Seigneur. Comme des Sarah, Seigneur, nous voulons, Seigneur, rire, on veut plus pleurer, on veut plus, Seigneur, trouver des solutions par nous-mêmes, Seigneur, mais continuer à fixer nos regards vers toi, toi le Dieu de notre salut, toi qui nous a appelés à l'adoration, toi qui nous a appelés à rester en veille, toi qui nous a appelé, Seigneur, à continuer à veiller telles ces vierges sages qui attendaient l'époux et n'ont pas confondu l'époux avec qui que ce soit. Alors l'homme fort, la femme forte ne confond pas ses adversaires avec ses amis. On a fait rentrer tellement des gens dans nos maisons, dans nos cœurs, dans notre intimité, croyant que c'était nos amis, Seigneur, croyant que c'était nos alliés, alors que c'était nos adversaires. Ils nous ont détruits de l'intérieur. Oh Dieu, donne-nous le discernement, Seigneur. Donne à ton église le discernement. Donne à mon frère, à ma soeur le discernement pour savoir cerner les choses. Et ainsi, l'homme fort saura garder sa maison, garder son cœur. Et ainsi, il saura garder ceux des autres. Tu es notre force. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Dans les bras d'amour de notre Père. Shalom à vous.